Tiens-moi. Une personne en particulier retient toute notre attention. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. Il les aurait mis en garde contre la poursuite de leur projet de construction au milieu des pins de Blackwood et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. S. O. E. Sœur. Demande-lui la sœur de qui. Josh, ça doit être... De quelle sœur il s'agit alors? Go! Ah la vache! Vache! Jessica!
Jessica! Oh non! Michael! Jess! Jessica! Oh putain! Jess! Jess! Tu vas bien? À l'aide! Jessica! Hein? C'est quoi ce bordel? Ash! C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ok. Ok. Merde.
Ash! Ashley! Ashley! Est-ce qu'il y a quelqu'un, Ashley? Ça.
Ashley! Chris! Ash, je suis là! T'es où? J'en sais rien! Tu vas bien, mais que... Qu'est-ce qui s'est passé? Pitié! Aide-moi! J'arrive, Ash, je... continue... Chris! T'es là? Bonjour. Et merci de m'avoir rejoint. Ce soir, nous avons mené une petite expérience, comme un test. Pour cette expérience, nous aurons besoin de la coopération de nos deux sujets, Joshua et Ashley. Mais nous avons besoin d'un autre participant pour nous aider à décider quel sujet vivra et lequel mourra. Non, c'est pas possible. S'il vous plaît, calmez-vous un peu. C'est pourtant très simple. Christopher, tu verras un levier placé en face de toi. Tout ce que tu as à faire, c'est choisir qui tu veux sauver. Non, pitié, ça peut pas Père, être possible. Père, non. C'est pas vrai, non, c'est pas juste. Ok, tout va bien se passer. Oh, merde. Merde. Hé, mec, mon pote, il faut qu'on réfléchisse merde, à ça une minute. Chris, je veux pas mourir. Juste une seconde, j'y arrive pas. Merde. Ashley, je vais te tirer de là, je vais pas te laisser mourir. Non, pitié, non. C'est dingue, j'arrive pas à y croire. Chris, pitié, dis-moi que tout ça est pas vrai. Non, non, Chris. Tu as choisi de sauver Ashley. Non. On était amis, merde. Je suis désolé. C'était délire. Non. Arrêtez, faites pas ça, pitié. Non, regarde pas, Je t'en prie, dis-moi qui va bien. J'arrive, je vais te faire descendre. Chut, arrête. Allez, tu vas descendre, non. Allez, il faut te sortir d'ici. Non. Chut, on doit partir, ok? Josh, quoi, vieux? Il est mort! Tire devant nous, putain! Mais de quoi tu parles? Il y a un cinglé! Un cinglé? Oh putain, on doit se casser d'ici! Je comprends pas ce qui s'est passé! Il y a un cinglé! Qu'est-ce? Il avait dit! Et c'était lui ou je savais pas quoi c'est faire! Pas vrai. On a traversé ce giglet, essayé de partout! Quoi? Mais c'est pas vrai, Chris! Je l'ai tué! Oh wow. Non! C'était ma faute. Non, c'est un truc de dingue. Il faut qu'on aille chercher de l'aide. Il a été coupé en deux. On va découvrir ce qui s'est passé. Je n'en sais rien. Matt, on doit y aller maintenant. Je n'en sais rien. M, on devrait aller chercher les autres. Mac et Jess sont partis se tripoter et personne ne sait où est ça. Je crois qu'elle est au chalet. Bien, d'accord. On va rassembler tout le monde, mais s'il y a un cinglé qui se balade, faudra quand même aller chercher de l'aide. Non? Tu veux pas qu'on reste là? Mais pour... Pourquoi est-ce qu'on parle encore de ça? On y va! Bonjour. La tension a monté d'un cran, n'est-ce pas? La nuit se déroule-t-elle comme vous l'espériez?
Je vois. Et pensez-vous que ces pauvres gens méritent ce qui leur arrive ? J'essaie de vous aider. Ce jeu auquel vous jouez. Vous comprenez qu'il ne vous fait pas du bien ? Il ne fait de bien à personne. Et je ne vous trouve pas spécialement franc dans votre façon de jouer. Vous allez continuer à vous comporter avec autant de complaisance. Croyez-vous que moi, je suis bien réel ? Ah, c'est le cœur du problème. Tout tourne autour de cette question. Arrivez-vous encore à faire la différence ?